comment activer le Chrome View. Après avoir téléchargé le programme, je le décompacte et ça sera comme ça. Avec les key markers, ici il y a toutes les instructions. Mais normalement, dans cette instruction donnée ici, il manque quelque chose que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Qu'est-ce que c'est? Bon, je vais commencer à installer tout au début. J'installe Setup, je mets Next, j'accepte le terme de licence et j'écris Next. Et si je mets les premiers entreprises VoIP mode, all future are available, j'écris Next. Ici, ça ne change rien parce que c'est la direction dans laquelle il va rester. Et ici, tu peux choisir ta langue. Moi, je laisse anglais. Et je. Sauf si je le laisse, mais je peux ou de ne pas enlever ça, mais je enlève quand même. Et je crée l'icône dans le place de travail. Next. Et j'installe. Et OK. Du coup, j'entre dans le fichier KeyMarker. Bon, ça peut être crack, ça dépend. Je l'exécute au mode administrateur. Normalement, dans le Windows XP, ça va parce que ça vient déjà automatique. Hein, tu peux le changer comme tu veux hein, dans le système automatique. Mais dans les autres systèmes opérationnels, c'est vraiment obligé de le télécharger ou dans le mode, comment dirais-je, tu vas l'ouvrir comme administratif. Ok, avancer, moi c'est bien, cliquer et si même je les regarde comme ça, ça va donner pratiquement erreur, mais j'essaie quand même, ouais c'est ça, je laisse comme ça et je dis ok. Et ça va donner une chose comme ça. Au cas où tu utilises ce type de activation. Je répète. Des clics, ça vient. Paf, activation et generate keys. Première fois, tu vas mettre ton nom ici. Qu'est-ce que moi je fais? Tu vas mettre ton nom. Par exemple, moi j'écris XP, l'état est un ordinateur et j'écris Home License. Ici, comme tu n'as pas des produits ID, tu laisses comme ça. Je sais pourquoi et je sais bien que toi aussi tu sais pourquoi. Je sais pas, bon, tu verras. Tant mieux. Après, tu cliques. Paf. Dans le paf, tu vas chercher la direction ou dans la direction dans laquelle tu as installé le programme. Là où j'avais dit qu'il n'est pas bougé, c'est comme view. Je répète ici, c'est paf, disque local, comme c'est le fichier dans le Windows 7. Au 8, ça va demander de choisir le système opérationnel. Si tu as le système 64, tu mets 64. Ou si tu as le système 86 ou 90, si je ne me trompe pas, c'est la même chose d'étendre. Alors, tu écris Archive. Tu sélectionnes parce que mon système est en portugais. Ça ne me dérange pas des langues parce que moi, je me débrouille quand même. Et l'archive des programmes, tu dis comment ça, c'est le nom des programmes. Hein? Comme une view et tu écris OK. Normalement, ça viendra application Profit Successfully. OK. Et après, tu viendras Generation Key File. Tu fais encore de la même chose parce que lui, il va siéger où nous avons créé notre PAF pour activer le PAF. Lui aussi, Key Created Successfully.
un key file created successfully, ça veut dire c'est bon. Et après, nous allons venir décliquer dans notre programme logiciel. Ça, on bouge pas. Ça, c'est le message que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Si tu écris, tu mets OK, ça va bouleverser, ça ne te donne plus l'accès à activer. Donc, tu écris, tu décides non. Et du coup, ça te donne. Ça te montre comment activer. On part next. Ne mets pas automatically online. Ne mets pas aussi online using a web browser. Mais mets by email. Tu mets next. Ça, c'est le produit ID. Tu copies le produit et tu colles le produit. Et après, tu actives ici. Activate. Tu prends le activate call, tu copies, tu écris next et tu colles. Hein, tu peux mettre du past, c'est là, c'est le même code. Regarde, c'est le même code. Et tu écris next et tu cliques sur next. Look, the software has activated successfully. Thank you for activating your software license and done. Là, je t'assure, le produit s'est activé. Comment tu vas savoir que c'est activé? Start using Comrade. Tu veux venir ici, Blue Setting. Il y a une place où ça montre que le produit est activé. Content file online, check the app activation. Ça c'est bon. Ça ici ça montre, mais dans les autres programmes ça montre plus parce que on a mal activé. Là c'est activé et tout ça fonctionne bien. Par exemple, si je ferme, ça envoie plus le message des évaluations. Et maintenant, notre programme travaille normalement. Tu peux faire tout ce que tu veux, comme tu veux et quand tu veux. Voilà, il est là. Il fonctionne très bien. Il fonctionne très bien.